Bonjour tout le monde. Evergrey est longtemps resté pour moi un groupe de metal prog de seconde zone, avant qu'il ne sorte The Atlantic en 2018, confirmé 3 ans plus tard par The Escape of the Phoenix. Je reconnais que cet engouement tient beaucoup au pathos et à la voix de Tom, qui officie également dans le groupe Silent Skies, que mon épouse adore. Mais elle, c'est pour le pianiste. Malgré cet engouement, je ne me suis pas offert Heartless Portrait en vinyle cette fois. Non pas que j'ai des oursins dans les poches, encore que, mais que le premier extrait de leur nouvel album ne m'a pas emballé outre mesure. Le digipack 3 volets aux couleurs cyan et sang est maintenant entre mes mains avec son livret assez épais. Une créature mythologique ailée semble veiller sur un monde et ses 2 satellites, à moins qu'elle ne cherche à les détruire. Allez savoir, l'explication se trouve peut-être dans le texte. Oui, je les ai pas lus. A Heartless Portrait, ce sont 10 morceaux très musclés où la batterie de Jonas ne s'oppose presque jamais, où les guitares d'Henrik Eton déchirent les éthers et où les claviers de Ricard fusent tels les flammes d'un chalumeau à acétylène. Techniquement, il s'agit d'une grosse tuerie de 50 minutes qui ne vous laisse pas beaucoup d'espace pour souffler. Sauf peut-être dans The Great Unwashed, au solo de folie, ainsi que dans le final Wildfires, nettement plus apaisé et mélodique. A Heartless Portrait porte bien son nom. Les grands écarts instrumentaux et l'émotion à fleur de peau ne sont pas vraiment au rendez-vous cette fois. C'est un album assez froid et technique dans son ensemble. De la double pédale parkinsonienne, coup de gaulerien débordant de testostérone, Save Us donne le ton de l'album. Ça sent l'homme et le déodorant sans aluminium. Midwinter Calls donne dans le péplum métal. Alors poussez les potards au maximum pour faire trembler les murs. Malgré tout cela, Evergrey reste mélodique grâce à la voix de Tom et les claviers de Ricard. Des touches électro virtualisent ce metal prog très viril et les solides guitares, comme dans Ominous, feront grimper au rideau les fondus de 6 cordes. Une tendance forgeron amorcée dans Escape of the Phoenix qui prend ici sa pleine puissance. Ça cogne, ça tape, ça pleure, ça chante. Un déferlement musclé parfaitement contrôlé, façon cœur de l'armée rouge. La production aurait pu bénéficier de plus d'attention. Non que ce soit épouvantable, mais disons perfectible. Il faut pousser le volume assez fort pour faire ressortir la dynamique de la bête. Bon, vous l'aurez compris, A Heartless Portrait ne sera sans doute pas mon Evergrey préféré. N'empêche, c'est une belle machine de guerre métal progressive qui en live pourrait révéler tout son potentiel. On verra. La semaine prochaine, nous partons au pays des kangourous pour écouter un vieux truc. D'ici là, soyez sages et bisous !